Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo rapide pour vous tenir un petit peu au courant de l'avancée de la future mise à jour que je déploierai, je pense, fin du mois, début du mois prochain. Donc je suis en train de rajouter pas mal de wheels qui m'ont été passés par Michael. Donc merci encore à Michael. Beaucoup de wheels basés sur l'arcade, plus une petite wheel supplémentaire dont on parlera plus tard. Mais surtout, je voulais faire un point rapide au niveau de l'Amiga 500, puisque comme vous le savez, j'ai décidé donc de changer le format de ROM que j'utilisais pour l'Amiga 500, puisqu'aujourd'hui j'utilisais notamment des fichiers de type UAE, et ce qui m'obligeait en partie à mettre les ROM sur la mémoire interne de la Shield, ce qui prenait environ 300-350 mégas. Du coup, on n'aura plus besoin de ça, je vais pouvoir rapatrier donc les ROM directement sur le disque dur, et j'utilise maintenant des ROM au format LHA. C'est pas mal, ça permet notamment pour des jeux qui étaient sur plusieurs disquettes de les regrouper donc sur un seul fichier, donc ça c'est bien. Par contre, c'est un petit peu plus lent. On revient un petit peu en termes de loading aux durées des disquettes. Mais bon, après tout, ça fait aussi partie du charme, hein, du rétro gaming. Et donc, j'ai rajouté 80 jeux. Après avoir donc passé toutes les anciennes ROM au format LHA, j'en ai rajouté 80 en fonction donc de. Notamment, j'ai essayé de suivre au maximum les desiderata de chacun d'entre vous, puisque j'avais demandé sur ma chaîne pour ceux qui voulaient me donner des titres qu'ils voulaient que je rajoute. Donc, je les ai notés et rajoutés. Et donc, la wheel passe à 260 jeux. Donc, ce qui est pas mal. Elle est quasiment terminée. J'ai un petit peu galéré parce qu'il me manquait beaucoup de médias. Donc, il a fallu que j'aille chercher les jaquettes sur Internet et que j'aille télécharger des vidéos sur YouTube pour pouvoir faire des snaps vidéo, bref, les raccourcir, etc. Mais j'y suis presque, je crois qu'il reste une ou deux ou trois wheels qu'il faut que je trouve. Mais voilà, donc ça sent plutôt bon. Et je voulais donc vous faire une petite vidéo vite fait des jeux que j'ai rajoutés. Enfin, de la wheel. Donc vite fait, on va aller sur l'Amiga. Là, vous avez voir en avant-première un petit peu des ROM que j'ai rajoutés. Mais on verra ça plus tard. Des wheels, pardon. Pour la future mise à jour. Mais ça sera la surprise pour plus tard. Donc l'Amiga 500, donc on utilise toujours. Voilà, alors ça c'est juste petit clin d'œil et petite spéciale dédicace à un de mes plus fidèles abonnés, il se reconnaîtra. Tu m'avais demandé si je pouvais rajouter Cannon Fodder 2, le voici, il est rajouté, tu vas donc pouvoir y jouer. Tu me diras, je n'ai pas testé s'il se lançait, alors on va le tester en direct. Mais je pense que oui. Donc tu vous voyez en termes de durée on est sur du chargement style disquette quoi. Voilà, quand j'appuie sur la touche R1, je peux voir que le jeu est en train de charger, qu'il tourne sur la version Amiga 600, qu'il est en 720 x 288. Et voilà, le jeu se lance. Ici le clavier, etc. Mais tout ça, je vous ferai un petit modus operandi sur comment ça fonctionne. Mais le jeu se lance, donc ça c'est cool. Donc spécial dédicace pour toi, tu te reconnaîtras. Oui, je t'ai rajouté Cannon Fodder 2. Je pense que ça te fera plaisir. En français, bien sûr. Parce que j'ai mis un maximum de jeux en français aussi. Vous allez avoir des petites différences au niveau des jaquettes, vu que Michael, notre abonné new-yorkais, m'avait très gentiment passé des jaquettes au format 3D. Là, ça c'est les anciennes jaquettes pour les jeux qui étaient déjà présents. Et en fait, sur ceux que j'ai rajoutés, on se retrouve plus avec de la jaquette de style, voilà, comme ça, en 2D. Bon, j'ai pas pu la refaire en 3D, peut-être à l'occasion. Mais voilà, les jeux sont rajoutés. Chez HQ, il était sur la première version, mais on a le 2 que j'ai rajouté. Voilà, je sais plus ce que vous m'aviez demandé, hein, il y en avait plusieurs. J'ai essayé de rajouter au maximum ce qui m'avait été demandé. Donc, normalement, on a pas mal de classiques qui seront présents. Les jeux fonctionnent bien, hein. En tout cas tous ceux que j'ai testés, ça se lance bien. Dungeon Master 2, ça c'était fabuleux comme jeu, même le premier. Alors bon, moi tous ces jeux-là, je les avais sur l'Atari 520 ST, qui comme vous le savez tous, était bien meilleur que l'Amiga 500. Donc voilà, les vrais jouaient sur Atari, hein, 520 ST, tous ceux de ma génération se reconnaîtront. Je plaisante bien entendu, ce sont des restes de la guerre Amiga Atari ST qui sévissait à mon époque. Mais c'est vrai que j'avais un Atari 520 ST et j'avais un pote qui avait un Amiga. Je me répète, hein, je le raconte souvent, mais on comparait, et c'est vrai que graphiquement, je dois le reconnaître, que bon, l'Amiga, c'était quand même un ton au-dessus. Mais c'est pas grave, je m'éclatais bien avec mon Atari. Donc voilà, j'ai rajouté pas mal de jeux, 80, je vous mettrai la liste à l'occasion.
Et donc ça, on mettra en place sur la prochaine mise à jour. Et je vous expliquerai donc quels sont les petits fichiers à changer. Et vous pourrez donc dégager les ROM qui sont sur votre shield. Ça laissera un peu plus de place. Voilà, bon, y en a pas mal, hein. On a 260 jeux. Je pense que voilà, là, il va falloir que je m'occupe de la vidéo et je sais pas pourquoi. Et de la wheel qui n'est pas apparue ni de la jaquette. J'ai du mal à le renommer. Il faut que je regarde. Night Hunter, j'ai rajouté Nitro Boost Challenge qui m'avait été demandé. Je sais plus ce qu'on m'avait demandé encore, hein, mais pas mal de jeux. J'essaie de rajouter voilà tout ce qui m'avait été demandé, préhistorique, puis j'en ai rajouté quelques autres aussi. Voilà, donc là il va y avoir de quoi bien s'amuser avec cette wheel aussi, je pense. Ouais, voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. De toute façon, je vous referai rapidement une vidéo sur les futures wheels qui arrivent. Je suis en train de les préparer, de les trier, de virer les jeux qui passent pas. De regarder au niveau des médias ce qui manque. Il manquait pas grand-chose, hein, Michael. Tu as fait déjà un très très bon travail. Je peaufine juste. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite à tous, pour ceux qui n'ont pas encore repris le boulot, mais bon courage, bonne reprise. Pour ceux qui sont encore en vacances, profitez bien. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.